Et bonjour tout le monde et bienvenue sur Master Duel France. Petite introduction pour vous parler de cette vidéo, un peu de juste comment on va procéder, parce que du coup, pour la première fois dans la présentation d'un deck, j'ai invité quelqu'un du coup pour parler de son deck, parce que comme dit en introduction, je crois, enfin dans la première vidéo de la chaîne, moi je joue pas tous les decks du jeu, forcément, c'est beaucoup trop cher, bien évidemment, de tout avoir. Donc quand je veux parler d'un deck que j'ai pas encore fait et que je n'ai pas, bah forcément je vais inviter des gens qui ont le deck et qui le jouent et qui le maîtrisent. Et donc là j'ai invité The Magine pour cette vidéo. Et du coup comme je suis avec quelqu'un, on s'est dit on va procéder un peu différemment. Donc ce sera pas des replays pris sur le ladder que après on va commenter à deux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué ensemble dans une salle, voilà, qu'on a créée. On a filtré un peu les games qui étaient intéressantes, parce que le but c'est de vous montrer les combos de son deck qui sont intéressants. Donc si on commence à duel et qu'il a une main qui fait rien, bon bah on va pas enregistrer, tu vois. Donc on a fait une petite curation des games qu'on a fait, même si on n'a pas eu besoin de beaucoup trier vu que c'était très rapidement et très bien à montrer, enfin il a tout de suite eu les combos, etc. Mais voilà, donc ce sera des replays commentés par moi et The Magine, mais juste à l'audio, vous me verrez pas, voilà, et on prendra juste. C'est lui qui a le contrôle du replay, c'est lui qui voilà, fait pause quand il faut faire pause, etc. Mais c'est un truc qui a bien fonctionné et je pense que ça rendra bien pour justement vous montrer son deck et qu'il puisse lui bien s'exprimer, justement, qu'il ait un peu les clés de la maison, quoi, pour expliquer. Pourquoi il fait tel ou tel choix, pourquoi il fait tel ou tel combo, et je pense qu'on va procéder plus ou moins comme ça à chaque fois que j'inviterai quelqu'un pour qu'il présente son deck. Ce qui va arriver, mine de rien, assez souvent, parce que bon, même si j'ai pas mal de decks, bah, voilà, hein, il y en a énormément dans Yu-Gi-Oh! Donc voilà, juste pour vous dire qu'on a procédé un peu différemment et que bah, après, quand vous serez avec les replays, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tout simplement, et il y aura bien sûr la decklist à la fin. On passe beaucoup de temps dessus, puisque bah, c'est Magine qui a plusieurs versions, etc., de sa decklist, donc forcément on s'attarde un peu dessus. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Elle durera un peu plus longtemps que ce que moi j'aurais fait tout seul avec mon propre deck, c'est logique en même temps. Et puis voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse avec les replays, et puis bah, c'est parti. Yosh, du coup, comme on a dit, salut à toutes et à tous, hein, The Magine 972, on va expliquer un peu comment jouer le deck hero, comment procéder avec deux duels assez simples. Hein, donc voilà. Ça, on a fait des petits duels dans la room, et puis on a testé un peu ce qui se passait avec le deck hero, et on a eu quelques bons replays là où on voit bien les combos et tout, donc c'est nickel pour vous montrer tout ça. Et là on voit du coup la main des deux joueurs, ce qui n'est pas le cas d'habitude quand je fais les vidéos bah, en classé, etc. On voit que ma main, donc c'est pas mal aussi, ça change un peu. Yes. J'avais une meilleure vision de la game. Si vous C'est connaissez ça. Guerrier Ancien, que vous connaissez normalement, parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, c'est pour ça que j'ai pris le deck Guerrier Ancien. Sinon, ça fait deux decks en même temps un peu expliqués, c'est pas. L'un après l'autre, ça suffit. C'est Donc sur ça. ce, bah, vas-y, on peut commencer, tu peux y aller. Bah voilà, nickel. Hein. Alors, la petite main, qui n'est pas forcément la meilleure main qu'on puisse avoir, hein, tour 1, pour les héros, sachant que les combos commencent avec Monsieur Faris et Monsieur Vion. Donc Vion qui est dans la main, donc on va pouvoir quand même faire quelque chose. On voit bien qu'en face, hein, Shin n'a pas de hand trap, donc je peux faire mon petit jeu. Ça, ouais, j'ai pas d'entrap malheureusement, j'en joue pas mal, mais ouais, là du coup il peut y aller plein pot et ça part sur. On invoque Vion, on envoie l'autre au cimetière, on en cherche un, et C'est puis. ça. Voilà, comme d'habitude, un brume au cimetière. On va chercher du coup un soldat liquide qui va permettre par la suite, avec une petite polymérisation, de piocher deux cartes, hein. C'est un effet qui est très fort. Ça augmente l'extend du deck hero et c'est voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en tout cas. Donc on utilise l'effet de Vion pour aller chercher la poly depuis le deck. On va directement faire poly, hein, parce qu'on n'a pas d'autre, enfin, on a rien d'autre à faire de concret. Ouais, non, t'as déjà fait ta norme, donc de toute façon il y a que ça. Mais après, d'un coup, ça va pouvoir enchaîner. Sunrise qui va chercher une autre magie fusion et lui qui va te permettre de piocher 2 et discard un après. C'est ça. Alors petite précision, hein, j'aurais pu aussi faire la polymérisation avec un des monstres sur le terrain, enfin notamment même Soldat Liquide et Monsieur Malveillant, pour pouvoir extendre différemment, mais j'avais une autre idée en tête.
Sachant que tour 1, selon le deck de l'adversaire, alors si vous le connaissez, vous avez déjà en tête ce que vous voulez faire. Et là, j'ai fait comme ça. Donc voilà, Faris. On invox P. Increase. On va mettre les deux pour pouvoir faire la link. Le croiseur hein, qui peut aller chercher au cimetière un deck héros de la destinée et le invoquer sur le terrain. On peut du coup ensuite sacrifier un monstre héros de la destinée sur le terrain pour aller chercher une autre carte dans la main. Et du coup ouais, tu peux le bannir pour aller invoquer l'autre, ça, c'est pas mal. C'est ça, c'est pas mal du tout en fait. Faire un autre lien. Qui est très fort. Hein, Voilà l'autre lien qu'on voit un peu moins souvent mais qui est pas mal aussi. La fusion héros élémentaire pour aller faire là c'est ouais voilà Zero Absolute Tojo. Voilà c'est ça son effet hein. Dès qu'il est sorti du terrain, en tout cas dès qu'il est envoyé au cimetière ou sorti du jeu, il détruit tous les monstres sur le terrain de l'adversaire. Donc tour 1 c'est très fort de l'avoir. On renvoie aux mains ou quoi que ce soit, c'est il va faire son effet, c'est mort quoi. On a plus de terrain quoi, ça détruit tout. C'est ça. Ensuite, effet de conducteur de miracle. Hein, conducteur de miracle, son effet, quand vous faites une invoque normale ou spé dans la case ciblée, enfin voilà, dans la zone ciblée, hein, par le lien lui-même. Ouais, la zone pointée, ouais. La zone pointée, ouais. Vous pouvez du coup aller chercher une polymérisation, enfin tout ce qui fusionne, quoi, au cimetière et le ramener sur le terrain, poser sur le terrain. Et c'est très fort, hein, parce que, sachant que fusion miraculeuse et polymérisation sont des cartes à effet normal quoi, des cartes magie normales, donc vous pouvez les activer même si elles ont été posées parce qu'elles... Donc là on va bien sûr faire le DPE. Alors petite précision hein, comme je disais, il y a plusieurs possibilités, on essaye de se mettre en situation, c'est pas forcément c'est pas forcément la meilleure des possibilités que j'avais ce tour-ci, mais ne sachant pas ce qu'il avait, j'ai préféré procéder comme ça et attendre pour voir, voilà. Je sais que j'ai l'infini. En DPE en général, tu te dis que c'est bon, voilà, je pioche Nibiru. Hein. C'est ça, voilà, c'est ça. Il a pioché Nibiru. Parce que là, je l'aurais claqué sans problème. Du coup, je fais Orage Foudroyant, ce qui fait quand même mal. Et ça, il savait pas que j'avais Orage Foudroyant, forcément. Même si je joue Guerrier Ancien, il peut pas. Voilà, Orage Foudroyant, tu l'as pas tout le temps. C'est ça. Moi, je décide ouais, de faire. Néos de la loyauté, c'est un peu rare de voir ça, mais bon. C'est ça, normalement Néos tu le laisses pour au cas où t'as un monstre héros qui se fait attaquer, qui a pas force, enfin qui a moins d'attaque que le mec en face, et du coup bah tu gagnes 2500 d'attaque, ce qui est très fort. Mais là vu que je commence à être un petit peu short niveau monstre, je me suis dit que j'allais l'invoquer pour essayer de me protéger un minimum. Mais bon. Du coup je peux faire l'effet du guerrier ancien sur le terrain parce que t'as plus de monstres que moi. Mais bon après tu le negate. Et mais ouais. Là, c'est pas très grave parce que moi je vais pouvoir faire tout mon bordel et invoquer tous les guerriers anciens du monde, péter 0 absolu d'abord pour provoquer son effet, mais comme j'ai pas encore norme, bah derrière je norme le meilleur. On vire Tenki, on cherche un qui s'invoque spé si on l'a cherché depuis le deck à la main, et du coup ça va provoquer l'effet pour envoyer en main, et après on fait la link. J'aurais pu faire une Xyz. Mais la link, c'est quand même le meilleur plan. On va chercher quelque chose depuis le deck. Et puis on est bien en fait. Hein. Et là, vous voyez bien que DPE, du coup, c'était pas forcément le meilleur plan. Même si, bien sûr, je suis loin de tuer. Mais ah, oui, du coup, il y a lui qui revient, c'est vrai. C'est ça, voilà, quand je subis des dégâts. Effectivement, comme il dit, hein, DPE, c'était pas forcément le meilleur plan. Mais selon le deck, on essaie de faire un choix. Le choix qui est pour nous le mieux. Maintenant que je sais qu'il joue ça, par exemple, je me dis que si j'avais fait Plasma, qui annule l'effet de tous les monstres sur le terrain, sachant que Plasma, même s'il a 1900 d'attaque, j'ai quand même des monstres comme Sunrise qui permettent d'augmenter l'attaque des monstres sur le terrain, hein, de 200 pour chaque attribut différent qu'on contrôle, donc ça, c'est quand même stylé. Donc Plasma, il peut vite monter à 2500 facilement. Hein. Donc bon, ce Plasma qui est aussi le deuxième effet, n'oubliez pas, hein, dès qu'il est sur le terrain, de prendre le contrôle de monstre et de gagner une partie de son attaque, donc c'est très fort. C'est très fort et ça aurait été peut-être le meilleur play, mais voilà, l'objectif c'est aussi de montrer comment s'en sortir si jamais vous n'avez pas le choix. Donc là, bon, bah, ça montre aussi que ton deck a beaucoup de possibilités. C'est ça. Mix-up quoi. C'est ça, bah déjà là, regardez, DPE qui revient. Hein, c'est... Oui, bah oui, DPE qui revient quand même, l'autre qui revient aussi. C'est ça, on utilise du coup l'effet de dernier, héros de la destinée.
qui peut s'invoquer spé sur le terrain dès qu'il y a un héros destiné sur le terrain. Bref, voilà. Donc, on invoque spé. Après, on utilise son effet qui est en fait de choisir un monstre retiré du jeu au cimetière pour le mettre, le renvoyer au-dessus du deck. Et comme lui, son combo, c'est je suis au cimetière, mon double est dans le deck, je me retire du jeu, du coup, ça peut permettre après de faire l'extend. Donc, comme vous pouvez le voir, tac. On ouais, refait. C'est vachement bien. C'est vachement fort, ouais. Vachement fort. Après, là, en fait, ce que j'attendais, c'est qu'il fasse son effet. Je me suis dit qu'il avait un effet rapide. Bah, ouais, normalement, mais écoute, je sais plus si je croyais s'il me l'a, il me l'a pas proposé ou si je l'ai juste pas fait, mais ouais, du coup, là, je. Voilà, bah, c'est ça, en fait. Le mec en face peut vous bait, du coup, j'attendais la réponse. Il y en a pas eu, bon, bah, j'ai pu procéder comme ça. Et puis là, ça m'a permis de reprendre un peu le contrôle du board. Alors, même si j'ai su qu'il avait Nibiru, dans ce cas-là, je vais pas risquer comme le tour 1 de faire mes full invoke ou d'extern. Là, je pouvais pas non plus le faire à fond. Mais bon, au moins, tu vois, tu sais. Ouais, non, là, t'es bien, c'est sûr. Moi, je me suis fait dans la merde. Là, en vrai, tu m'as laissé passer, t'aurais dû DP direct. Parce que ça aurait, la magie aurait pas fonctionné. Exactement, c'est ça. J'ai voulu attendre. J'avais perdu. Enfin, j'aurais rien pu faire d'autre. Mais là, comme tu m'as laissé, c'était fini. Du coup, tu vas mourir. Mais DPE, des fois, faut le cramer direct. C'est sûr, exact. Parfois, il faut pas trop réfléchir, puisque souvent, on attend un effet de ciblage ou quelque chose. Mais bon, bref, dans tous les cas, là, non, c'était. Des fois, faut cramer. Quoi. Ouais. Et là, du coup, voilà, c'est la magie aurait pas fonctionné. Moi, j'aurais pas pu invoquer l'autre vu qu'il y avait pas d'autres guerres en sein. J'aurais rien fait. En fait, j'aurais fait fin de tour. Hein. C'est ça. Donc bon. Mais c'est pas grave, vous avez vu un peu des combos héros, mais pas le best. Et bah, le replay suivant, là c'est le summum. C'est ça, le replay suivant va vraiment bien bien vous montrer la puissance et l'engine, le moteur de ce deck héros. Donc voilà. Allez hop là, c'est parti du coup pour le deuxième replay hein, qui s'annonce largement plus sucré. Que, ouais, ça va être problématique. J'ai toujours pas d'entrap. C'est pas de chance parce que j'en joue beaucoup quand même. Mais là il a la main parfaite qui tient en une seule carte. Hein. Tu vas voir tout de suite. De hein. toute façon, on est obligé de la jouer en premier. Hein. C'est ça, voilà. Comme d'hab, un héros vivant qui se joue souvent en premier. Alors, c'est vrai que ça fait très mal. Et si on prend une floraison sur héros vivant, en fait, c'est 50-50. Bah, toi, là, tu t'en fous. T'as call by the grave en plus. Donc, c'est ça, voilà. J'ai call by. Donc, en fait, c'est vrai que là, tour 1, je suis bien. Là, la main est parfaite. Là, t'es safe. Là, je suis full safe, ouais. Et du coup, à Hero 1, tu payes la moitié. Voilà. Les points de vie, c'est juste ça le problème, mais bon. De toute façon, il a callback, donc quoi qu'il arrive, il est safe. Voilà, et puis en plus, on peut partir du coup sur le méga combo. Hein. Herman va chercher Faris. Faris qui met dans la zone magie, du coup, Monsieur Increase, qui invoque ensuite Vion. Vion qui va, par son effet, défausser un monstre héros. Du deck au cimetière, donc comme d'habitude, et on renvoie encore monsieur Liquide, soldat Liquide. Hein. Liquide qui va du coup nous faire piocher, donc la polymérisation entre Increase et Liquide qui va donner Sunrise. Cette fois-ci, vous allez bien faire attention que je mets en mode défense en fait. Ouais, l'orage foudroyant, ça fait mal. Voilà, on l'a retenu cette fois-ci. Parce que Hero n'a pas de negate en fait, hein. c'est ça. C'est un truc, c'est un autre style de protection, mais il n'y a pas de negate. Proprement parler. C'est ça, on n'a pas de negate en soi en fait. Donc du coup je pioche du coup aussi un renfort de l'armée qui me permet d'aller récupérer dernier héros. Et c'est ça qui est bien en fait, hein, parce qu'en fonction de ce que je vais piocher, je vais je vais réfléchir ça date, à ce que ouais, je fais. Ça change de plan éventuellement. Quoi. C'est ça. Donc là on invoque normalement effet de conducteur de miracle qui me permet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'aller récupérer une carte fusion. Donc là je fais. Ma fusion miraculeuse pour ramener Absolute au Zilo. Donc là on commence à avoir un board pas mal. Et la petite fusion de la destinée que vous connaissez très bien. Hein, je suppose. Voilà, il aurait pu faire autre chose. Ouais. Parce qu'il joue héros, mais bon bien sûr DPE quand même. DPE quand même. Pour héros c'est le meilleur plan. Et après on fait encore la vie. Hein. Conducteur de direct, on ressuscite. Enfin croiseur. Voilà, croiseur qui va chercher. Et du coup, encore une fois, c'est pour la ça que même chose exprès. Qu'avant, ouais. Voilà, j'ai fait exprès d'envoyer malveillant au cimetière en faisant la fusion, tout simplement parce que je savais que j'aurais pu récupérer avec dernier et que j'aurais pu ensuite faire d'autres effets. Donc, voilà. Donc là, très très important les gars,
Ange Noir, c'est très 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 fort. Pourquoi? Je pense pas que ça soit connu, moi je la connaissais pas et je l'ai jamais vu en ladder. Ça c'est phénoménal. Bah, je te laisse. Ouais, c'est ultra fort parce que je vous explique. Dès que vous avez 3 monstres héros de la destinée dans votre cimetière, donc là j'en ai un. Ouais, il en a plus que 3, voilà. Voilà, c'est ça. Bah, là pour le coup j'en ai 3 piles, mais en général je peux en avoir 4, 5, bon ça dépend, mais bon. Dans les meilleurs, dans la meilleure decklist, vous en aurez forcément au moins 3. Donc c'est un choix à faire, hein. Soit vous mettez plasma pour que le mec il n'ait pas d'effet, soit vous faites en sorte d'aller récupérer ça, puisque grâce au croiseur de la croix, vous pouvez récupérer un monstre de la destinée, le mettre sur le terrain, le sacrifier pour aller chercher du deck à votre main une carte. Et ça du coup, regardez tout simplement. Hein. On active l'effet, on l'envoie au cimetière, dès qu'il y a 3 monstres héros de la destinée dans le cimetière, tu choisis l'une des cartes que tu veux et tu mets sur le terrain. Et l'effet de cette carte, quand elle est sur le terrain, annuler l'effet de toutes les magies activées. Qui ont été résolus. C'est un ordre impérial, mais seulement pour l'adversaire. Pour l'adversaire, voilà, c'est ça. Donc en fait, en gros, il active quelque chose, une magie, de toute façon, vous allez le voir plus tard. Hein. Ça annule et ça pète. Ensuite, du coup, je continue mon combo. Une fois que l'ange a été invoqué, et qu'est-ce qu'on va mettre? Monsieur Loi des Ténèbres, grâce à cette carte qui est très très forte. Changement de masque, très 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 fort. je vous rappelle l'effet de Loi des Ténèbres, hein, Dark Law. Quand il est sur le terrain, toutes les cartes envoyées au cimetière de l'adversaire sont bannies à la place. Ok, donc juste celle de l'adversaire. Deuxième effet, si l'adversaire va chercher une carte depuis son deck à sa main, eh bien moi je fais pierre, feuille, ciseaux dans sa main et je lui fais défausser une carte, je la retire du jeu. Bref, pour tout vous dire, là tour 1, c'est un beau petit tour 1. J'ai DPE, j'ai Zéro Absolu qui pète tous ses monstres s'il me retire du terrain. J'ai Loi des Ténèbres qui, s'il va chercher une carte, en défausse une par hasard. Et aussi, toutes les cartes à son cimetière sont retirées du jeu. J'ai Sunrise qui, du coup, protège. Si jamais, par exemple, il veut attaquer un autre monstre héros à moi, je détruis une carte sur le terrain. N'importe quoi, hein, je suis pas obligé de détruire un monstre. Hein, je détruis une carte. Je détruis même une carte à moi si j'ai un effet, un combo. Bref, c'est très fort. Voili, voilou. Donc là, il vous explique du coup son tour. Voilà, je fais juste un kaiju hein, pour DPE, mais je peux pas faire beaucoup mieux. Bon, j'invoque pas mal de monstres, en fait, je suis échec et mat parce que j'aurais pu faire l'effet de Rebelle pour péter son monstre avec la plus grosse patate, mais celui qui a la plus grosse patate, c'est Absolute Zéro. C'est ça. Donc moi, après, derrière, moi, j'ai plus de terrain. Et pour l'extravagance, comme s'il faut le faire au début du tour, de toute façon, c'est trop tard. Et là, je cherche une carte, ça c'est bon, mais après, je peux pas faire son deuxième effet. Alors, je me fais tâcher une carte aussi au passage, mais ça c'était gamin, voilà, c'est pas grave. Par l'effet de loi, du coup. Mais là, voilà. Je pensais que la magie elle allait rester vu que c'est une magie continue, mais elle est quand même morte. Et surtout, là, je peux pas faire l'effet de la lien pour éventuellement renvoyer quelque chose sur le terrain adverse en main. Parce que je dois défausser quelque chose au cimetière pour faire l'effet et Dark Law m'en empêche. En gros, je suis échec et mat, de toute façon, c'est mort. C'est ça, c'est échec et mat. Hein. Et du coup, vous avez la confirmation. Même les cartes continuent. Hein. Dès que la magie elle est résolue, ça annule. Voilà. Si on refait le replay que je kaiju Dark Law, bah moi j'invoque un monstre qui me fait DPE. Donc ça marche pas non plus. Si je kaiju Absolute Zero, son monstre qui m'empêche de faire de magie est pété, mais comme Pôle Extra c'est au début de tour, de toute façon ça marche pas non plus, je pourrais pas le faire. Y a pas de solution. À part avoir la sphère de rat maintenant. Par exemple, parce que la sphère de rat c'est un kaiju mais avec 3 monstres. Donc je te kaiju 3 monstres d'un seul coup. Ouais. Et là je te kaiju les 3, donc là je suis tranquille et c'est parti, mais je vais jamais mettre la sphère de rat dans. Même golem de lave, hein. Des fois ça m'embête un peu golem de lave. Quand je mais sphère sur un de deck rat kaiju, là ça aurait été vraiment encore mieux quoi. Mais bon c'est. Bon, ça existe, hein. Y a toujours une solution, mais c'est des solutions qui sont vraiment ouais bon. C'est trop situationnel pour le jouer dans le deck, mais ça existe, hein. Si vous connaissez pas la sphère de rat, voilà, c'est pas mal. C'est ça. Voilà, voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, mon gars. Ouais. Bon, donc, on a quand même plusieurs versions des decks, mais les deux les plus puissantes hein, actuellement, en tout cas, qui fonctionnent très bien, c'est celle-ci. Et une autre version avec super pollinisation. Hein. Vous voyez, il y a vraiment presque... Bah, du coup, on peut s'attarder ouais, sur la principale. Donc, on va vous montrer un petit peu, du coup, celle qu'on a utilisée. Alors, de maxé... Ça peut se jouer x3. T'en as pas 3, je crois, encore de maxé, c'est pour ça, non? Je crois que t'avais dit. J'en ai maintenant, je crois. Alors, j'en ai 3, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que j'en ai craft une autre. Mais effectivement, alors,
J'en joue que deux parce que je trouve ça assez équilibré hein, dans le deck, Ouais, mais... bah, des ratios de 2, je trouve c'est intéressant. Hein. Les gens ont l'habitude, surtout dans le TCG, de mettre x3 systématiquement, mais je trouve que C'est un peu c'est trop brick, hein. dirigiste et trop automatique de faire ça. Des fois, faut baisser les ratios ou tester, etc. Il n'y a que 2 imperms aussi, par exemple. Il y a. C'est ça, j'en ai 3 pourtant à 10 imperms. Bon, par contre, gouttelette x3, c'est obligé. Floraison x3, je sens que le deck il tourne mieux comme ça. Hein, mais à vous de voir hein, si vous pouvez faire les 3 maxés de floraison, etc. Mais essayez d'avoir un équilibre quand même pour pas empêcher justement les combos en fait qui sont faisables entre les héros. Hein, parce que c'est ça le problème. Hein, trop de staple par automatisme, comme le dit Shin, c'est du coup vous limiter en combo avec les héros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Nibiru hein, qui peut servir aussi, hein, parce que n'oubliez pas que là vous avez vu des duels où j'ai commencé en premier, sachant que si on commence deuxième avec le deck héros, c'est pas forcément. En fait, c'est pas forcément négatif, mais si vous avez 2-3 negates sur le terrain, ça commence à être compliqué. Si on vous Ah ouais. negate, si vous invoquez. Parce que l'objectif des héros, c'est quoi? C'est d'invoquer en max. Hein, c'est invoquer à fond, essayer d'avoir. Des effets de destruction rapides, etc. Mais ce n'est pas un deck à negate, comme le disait Shin Phoenix tout à l'heure aussi. Alors non, il y a bah C'est... non, tes monstres de l'extra deck qui sont pas là pour faire des negates, C'est contrairement à ce ça. qui se fait en majorité. Donc c'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est ça. Donc voilà. Donc Ange Noir, hein, qui sert beaucoup, comme je disais, tour 1, vous avez 3 héros de la destinée dans le cimetière, vous l'invoquez sur le terrain de l'adversaire, le mec il peut pas faire de magie. Sachant qu'il y a Orage qui est très fort, hein, tour 1, vous connaissez très bien. Donc les deux maxés. Le Increase, alors Increase, vous pouvez le jouer x2. Moi j'ai préféré le jouer x1. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, quand vous le jouez x2, si vous l'avez une fois dans la main et qu'après vous pouvez du coup faire le combo Vivayon qui va l'invoquer SP. C'est cool, mais j'ai remarqué aussi une chose, c'est que ça m'arrivait souvent d'avoir même les deux increase dans la main, et du coup ça faisait une brique de trop trop fréquente. Alors qu'avec un seul, même si on l'a dans la main tour 1 et que ça casse un peu un combo, il y a toujours moyen de s'en sortir, vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand vous en avez deux, ça fait vraiment mal, hein, tour 1. Donc je vous conseille 1, après vous pouvez tester. Bref, les 3 floraisons, hein, c'est très très important, les staples, faut oublier les entrap, on est dans une méta qui se joue entrap. Le dernier héros de la destinée qui fusionne, enfin qui fait très très bien combo hein, du coup avec le malveillant. Vous l'avez très bien vu, hein, On l'a malveillant. bien vu. Voilà. Dès qu'il est au cimetière, tu peux envoyer du cimetière, tu le retires du jeu pour pouvoir invoquer SP depuis le deck 1. Après lui, du coup, s'il est sacrifié qu'il va dans le cimetière, tu peux l'en invoquer s'il y a un héros de la destinée. Après l'avoir invoqué, tu peux le rappeler lui et refaire le combo. En gros, vous avez genre 3 invoques SP gratuits, gratos quoi. Donc c'est très fort. Mais un seul ça suffit, hein. Deux ça sert à rien, voilà. Sachant que l'effet c'est une fois par tour. Hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Les Herman c'est très fort, ça se joue x2. Ça se joue x2, pas x3, x2 c'est suffisant. C'est large suffisant. Vous connaissez, hein, vous invoquez, normalement vous allez chercher, etc. Et le truc qui est fort avec Herman c'est que c'est pas une fois par tour. Ça veut dire que si je veux faire Herman. Je fais Herman, je l'invoque, après je fais une fusion avec, après j'ai par exemple un exemple, hein, Renaissance du monstre, ou que j'utilise l'effet par exemple de liquide, soldat liquide quand il est invoqué SP, même si on l'utilise que pour, enfin souvent, pour l'effet d'aller piocher en fusionnant. Il a aussi un deuxième effet qu'on oublie, c'est quand il est invoqué normalement, il peut invoquer du cimetière un monstre héros élémentaire en fait. Et donc si vous avez Herman dans le... Ça m'est déjà arrivé hein, de faire des combos comme ça, on n'a pas pu vous montrer aujourd'hui mais... Si j'invoque soldat liquide et qu'il y a un Ah, Herman dans le tu vois aussi cimetière, Herman, hein, ouais. Tu vois voilà, tu aussi. réinvoques Herman et tu refais l'effet. Parce que Herman, c'est pas une Ah, fois c'est une par tour. vieille carte, hein, Herman. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de notion d'une fois par tour. Ouais, C'est une vieille carte. c'est ça. Pour ça. Ça, c'est vraiment une ancienne carte. Hein. Herman, voilà, bref. Donc, Vion, il en faut 2. Certains jouent x3. Moi, dans cette version, je préfère 2. Parce que pareil, hein, si vous en avez 2 dans la main tour 1, son effet, c'est une fois par tour. C'est pas comme si vous pouvez. L'invoquer spécialement et faire deux fois l'effet, vous voyez ce que je veux dire. Donc deux c'est suffisant. Voilà. Brume pareil, hein. Brume quand il a envoyé du deck au cimetière par l'effet d'un héros, bah vous pouvez envoyer un héros dans votre main, donc ça vous permet d'aller tuto, etc. Donc c'est ça hein, le but du deck héros, c'est qu'il y a 2-3 combos très forts. Et puis on va faire la max pour essayer d'y arriver assez vite. Donc Liquid Man, hein, j'ai expliqué tout à l'heure. Pharis, il en faut 3. Parce que Pharis c'est aussi l'une des grosses cartes. Le gros début du moteur hein, du deck, vous pouvez comment dire
envoyer défausser de votre main au cimetière une carte et l'invoquer spécialement. Donc ça fait une invoque spé si jamais on vous négate avec Floraison. C'est le meilleur, hein, de toute façon. Hein. Ouais, c'est le meilleur. Avec Herman, c'est vraiment... En fait, en gros, Vion, Faris, Herman, c'est les deux gros débuts de moteur. Et puis après, t'as Soldat Liquide qui vient t'aider à piocher. Quand tu pioches, du coup, tu fais avec. Si jamais tu pioches un changement de masque, tu peux aller chercher Darklaw. Bref, allez, on continue. Et dans tous les cas, vous avez compris. Donc Malveillant, Héros de la Destinée, hein, qui est très fort. Il est pas limité à deux pour rien. Hein. Sinon, on aurait pu faire son... Comme restriction, ça suffit largement. Ah, ça suffit largement, c'est clair. Donc, Monsieur Néos de la Loyauté, hein, Héros de la Destinée, du coup, comme je l'ai dit, hein, vous pouvez le défausser de votre main pour donner 2500 d'attaque à un monstre héros. C'est très très fort, notamment, alors quel que soit le but, vous protégez parce que le mec, il va essayer de péter une carte à vous. Bam, vous faites ça, il perd un monstre. Hein, tu lui mets 2500 d'attaque, ou bien pour finir l'adversaire. Hein, plein de fois, j'ai plein de solutions dans ma main, et puis je me dis, bon, bah... Le mec, il attend peut-être que j'extende plus pour pouvoir me tuer. Un exemple, hein, vous êtes à un monstre de Nibiru. Vous savez qu'avec les 4 monstres ou les 3 monstres invoqués, vous pouvez tuer. Ah bah, vous vous cassez pas la tête, vous avez Néos de loyauté dans la main. Vous attaquez, plus 2500. Pah, ça fait très très mal. Ça picote. Plasma, héros de la destinée, est trop fort. Plasma, il est vraiment trop fort, ce monstre, bordel. Alors, il faut des... Une monstres... option supplémentaire en fonction des situations. Voilà, c'est ça, voilà. Il n'est pas forcément... En fait, il n'est pas joué forcément dans tous les decks. Et puis, parfois, vous pouvez le jouer avec le dé, hein, le dé là, de la destinée. Oui, la magie continue. Ouais. Bah, la magie continue qui va le chercher, hein, au cimetière, ouais, aussi. Ouais. Hein, c'est-à-dire que si vous l'avez dans le deck, il va chercher dans le deck, au cimetière, bref. Si jamais vous avez en plus le dé avec le plasma, il est super fort. Vous ne pouvez cibler aucun monstre héros sur le terrain. Même aucun monstre, hein, je dis héros, mais je crois que c'est aucun monstre, hein, tout court, faudrait que je vérifie ça. Mais il peut attaquer deux fois avec le dé. Il est protégé et n'oubliez pas, hein, il a deux effets quand il a invoqué et qu'il est sur le terrain. Un exemple, hein, si vous avez un monstre qui a des negates, deux monstres des negates, machin, il y a des mecs qui m'ont fait des decks synchro, hein, qui vous mettent full negate, machin. Vous mettez un plasma, plus aucun monstre en face n'a d'effet. Et vous pouvez aussi... Voilà. Ouais, comme son invocation, c'est pas un effet qui se déclenche, c'est juste qu'il s'invoque par sacrifice. Bah, voilà. Une fois qu'il touche le terrain, à part si le mec a un jugement sur la naine, c'est fini. C'est fini. C'est comme un plus du tout gouverneur des ténèbres. C'est exact. Voilà, mais sauf que vous pouvez faire des dégâts le tour où il invoque, hein, y a pas de souci. Hein. Ouais, et puis tu piques le monstre adverse, il chope l'attaque et ça fait mal, quoi. C'est ça, voilà. Donc voilà, il est invoqué, bam, tu fais l'effet, il peut prendre le contrôle de monstre comme le renoncer un peu, en gros, si vous voyez. Ouais, c'est le renoncer, c'est la même chose. Voilà, sauf qu'il vous negate, et voilà, enfin voilà, vous avez un monstre, et il gagne, du coup, une attaque égale à la moitié de l'attaque d'origine du monstre. Hein, donc, ouais, et comme il a déjà 1900, c'est bon. C'est pas dégueu, voilà, franchement, c'est une très très bonne carte. Voilà, bref, Nibiru, vous connaissez, pas besoin de vous expliquer, je pense. Hein. Polymérisation, une seule suffit, sachant que vous pouvez aller la tuto avec Vion assez facilement. Vous pouvez la récupérer, comme je le disais, hein, tout à l'heure, avec Monsieur la Conducteur de Miracle. Dès qu'une carte est invoquée dans la zone pointée par cette carte, bah voilà. Sacrifice inutile qui peut servir, hein, dans ce deck, et encore une fois, hein, ça sert encore une fois à augmenter la puissance du moteur. En envoyant Broom au cimetière pour pouvoir récupérer dans sa main un monstre héros, enfin aller chercher dans sa main un monstre héros. Vous avez le renfort de l'armée qui est très fort aussi, hein, pour aller chercher un man, hein, on augmente les possibilités. La fusion miraculeuse obligatoire encore une fois aussi, hein, dans un deck héros. Voilà. On peut la chercher de toute façon, donc c'est gratos. Voilà, c'est gratos. Hein. Vous avez héros vivant, il faut la jouer x3, c'est sûr. Hein, c'est la carte en début de deck, enfin début de duel, pardon, qui vous permet vraiment de vous mettre ultra bien. Vous avez vu, on sacrifie la moitié des PV. Et bam, on va chercher. Donc en début de duel, c'est très fort. Ça fait très mal, hein, 4000, mais c'est très fort. Parce que si vous avez ça dans votre main, plus une fusion de la destinée ou bien quelque chose d'autre, bah, vous pouvez bait facilement une floraison. Le mec, il va pas réfléchir. Vous faites... Héros vivant, tu perds 4000, le mec il va même pas se dire ah ouais non, attends, il vient de perdre 4000, qu'est-ce que je fais? Je vais negate, bah vous l'avez bait, après vous avez un autre truc à faire, voilà, tout simplement. Ah, parce que de toute façon tu peux pas laisser passer héros vivant, parce que sinon derrière t'as le mec qui voilà. Son bordel. Donc, voilà, c'est tout, c'est simple. Donc si j'ai héros vivant, Herman dans la main ton 1, je vous avoue que je perds pas souvent. Non, toi, le truc qui te fait mal, j'y pense maintenant, mais c'est drôle, les Lockbird, oiseaux de verrouillage, si tu vois ce que c'est. Une end trap qui fait qu'une fois que tu as pioché une carte en dehors de ta draw phase, et toi tu fais que tuto, des polis, des machins, bah après tu peux plus jamais tuto, quoi. Pendant le reste du tour. Ah ouais, c'est fou. Pendant le tour. Et donc,
Ouais, c'est ouais. Et ça. ça, c'est une entrap, donc ça peut te faire mal. Ça peut faire très très mal, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est bien vu. Bon, Fusion Une la destinée, solution. 1x2, vous connaissez cette carte, vous la voyez tous les jours, hein, je pense. Et en plus, ce qui est fort, hein, petite précision quand même, c'est que, regardez, si j'ai Fusion de la destinée, bah, j'utilise par exemple ces deux-là pour des PE. Okay. C'est souvent des PE pour aller prendre avec. C'est pas ces deux cartes-là qui sont utilisées dans tous les decks, hein, parce que c'est pas la même engine. Bah non, mais lui il utilise autre chose du coup pour des PE, parce que c'est un Voilà. deck héros. Lui il a le droit de jouer des PE. Moi j'ai le droit, les gars, eh ouais. Et quand je tombe contre un deck qui joue des PE et que moi je suis héros, je lui montre à quel point du coup il est limité sans ses héros, et ça marche vraiment bien. Donc les deux ils vont au cimetière, et qu'est-ce qui se passe? Bah j'ai Bah après... oui, c'est, et puis voilà quoi. Voilà, j'ai le combo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bref, alors ensuite, changement de masque, x 3 c'est très très fort, ça vous permet d'aller récupérer Darklo, hein, ce qui peut s'invoquer, parce qu'il y a des monstres fusion héros masqués qui peuvent s'invoquer que avec des cartes magie. Donc là, voilà, en Avec gros, changement de masque, c'est vrai que. bah, vous avez un héros ténèbres. En fait, tout se joue, hein, avec la tribu. Vous avez un héros ténèbres sur le terrain, vous utilisez changement de masque dessus, vous allez chercher Darklo. Vous avez un monstre vent comme Herman, vous faites changement de masque dessus, vous allez chercher Blast. Donc voilà, vous voyez, ça se joue et c'est très très fort. Hein. Franchement, c'est très très fort. Parce que vous pouvez utiliser en effet rapide, un exemple. Hein. Vous invoquez Herman, le mec qui fait Infinité Éphémère sur Herman. Vous faites changement de masque, vous invoquez lui. Et en fait, ce que ça fait, c'est que vu que l'effet d'Herman devait être negate par Infinite sur le terrain, mais que là il est au cimetière, du coup, ça active quand même son effet. Donc ça peut vous permettre de bait. Non, magie rapide, c'est très très bien. C'est C'est très 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 bien. fort. Très très fort. Parce que ça envoie au cimetière, ça invoque un autre. Donc voilà. Donc c'est très fort. Appelé par la tombe, hein, jouer x2, hein, obligé. Ouais, bon, le reste des cartes, on les connaît, On hein. les connaît, Gouttelette, appelé par la voilà, tombe et gouttelette. Infini pour. Voilà. Voilà. Puis après, t'as l'extra deck, quoi. C'est ça, les negates. Et puis après, t'as avec ça deck avec Loi des Ténèbres, hein, x2, x3, ça sert à rien, x2, c'est très bien. Un blast x1, vous avez quelques effets sympas, il peut renvoyer, comment dire, en payant 500 points de PV, il renvoie à la main une carte magie ou piège, hein, posée. Donc ça peut être cool, hein, ça peut être sympa. Dangereux, hein, que je joue pas forcément très souvent, mais il peut servir dans certaines situations aussi quand vous n'avez plus le choix. Bref, Sunrise, très importante cette carte, hein, aussi importante que Loi des Ténèbres dans un deck héros. Ça fait partie des deux cartes les plus importantes dans un deck héros. Vous connaissez les faits, hein, vous voulez viser un monstre à. Comment dire? Votre adversaire veut viser un monstre héros à vous et le péter, enfin l'attaquer ou autre, bah vous pouvez péter une carte sur le terrain. Donc ça peut être le monstre, ça peut être une autre carte, vous profitez pour faire ça. Et en plus, il augmente, voilà, de 200 fois le nombre d'attributs Différence posés de sur le terrain, je terrain. crois. Ouais. Donc c'est très très fort, 200, ça peut monter très vite. Et en plus, quand il a invoqué SP, vous allez chercher, du coup, vous pouvez aller tuto, la fameuse fusion miraculeuse que je vous dis qui est obligatoire. Zéro absolu, quand il sort du terrain, c'est-à-dire que dès que. De toute façon, c'est écrit, hein, si cette carte quitte le terrain, détruisez tous les monstres que trouvez votre adversaire. Donc Voilà. c'est même pas. Le mec, il va se dire, allez, je te retire du jeu ta carte. Ben non, bam, tu Non, pètes. ouais, il y a aucune Tu solution. pètes, y Il a y a pas de aucune solution. solution. Trinity, très fort. Très très fort. Alors, il demande 3 monstres 3 héros, mais je vais vous montrer un exemple. Le mec en face, il se dit, moi je vais jouer sur l'attaque. J'ai des monstres avec plein d'attaques, c'est bien. L'effet de Trinity, quand il est invoqué, il gagne. Enfin, il gagne le double de son attaque. Donc en gros, il passe à 5000. Donc il passe à 5000. Et tu peux attaquer 3 fois, tout simplement. Voilà. Cette carte invoquée par fusion peut faire une seconde et troisième attaque durant chaque battle phase. Ça veut dire qu'en fait là le monstre, là le mec il a 2000 PV, il a un monstre à 2000, il a un monstre à 1500, il a un autre monstre à 2000, enfin ou plus, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il a plusieurs monstres qui ont beaucoup d'attaques mais qui n'ont pas 5000. Vous attaquez 3 fois et le mec il s'y attend pas, tu vois, il s'attend à ce que tu fasses plein d'invoques, tu vois, il a un Nibiru, il se dit ouais, nanana. Non. Je sacrifie 3 monstres héros, je t'attaque 3 fois et tu perds, bah, 5000 ça fait mal. Donc 5000 C'est même sur un tout à monstre fait. à 3000, le mec il prend cher. Donc voilà, vous pouvez vraiment gratter, voler des duels avec cette carte de façon tellement facile, c'est incroyable. Bref, Acide, héros masqué pareil, hein, il s'invoque avec changement de masque, hein, tous les héros masqués c'est la même chose. Changement de masque, donc ça peut servir avec le monstre haut, si par exemple vous invoquez ça, que vous faites un effet et que vous venez gate avec Infinite ou quelque chose, vous faites changement de masque, vous invoquez ça, c'est très fort. Et en plus, l'effet n'est pas annulé puisqu'il n'est pas ciblé. Enfin, bref. Monsieur Escuriado, j'ai du mal à dire son pseudo. Enfin, bref. Bah, lui, c'est un monstre à mettre dans le deck. Hein, il n'est pas exceptionnel. C'est pas lui que vous avez joué le plus. Hein, pareil pour dangereux, comme je l'ai dit. Mais voilà. Ouais. C'est un monstre à mettre. Hein, c'est un monstre plus un monstre élémentaire, ténèbres. Donc voilà, ça peut servir. Surtout quand vous jouez du coup la version, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec Super Poly. De toute façon, je vous l'ai montré. Bah, DPE, hein.
pas besoin de vous expliquer qui c'est, je pense que vous connaissez. Hein, ouais, voilà. T'inquiète pas. Le conducteur de miracle, très important, x1 dans le deck, c'est suffisant. Vous pouvez tuto, comme je disais, une carte fusion du cimetière, donc c'est très fort. Ça aussi, c'est très fort. Croiseur de la croix, très 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 fort. Très forte carte, sachant qu'elle... quand vous l'invoquez, vous pouvez aller chercher un monstre héros de la destinée dans, du cimetière au terrain. Et en plus, par exemple, si votre DPE bah, il est dead, bah, ça fait une renaissance du monstre sur DPE. Et en fait, tu ressuscites DPE qui a son effet. C'est pas comme si les monstres n'avaient plus leur effet. Hein. Non, c'est gratos. Hein. C'est gratos. Donc, très très fort. Et puis, pas que pour ça, pour faire les combos aussi avec ces deux-là, bah, lui aussi, il vient faire les bails. Quoi. C'est vraiment ouf. Sachant que là, vous faites ça, vous défaussez lui, enfin, vous envoyez lui au cimetière, vous allez tuto une carte dans votre main, et après, vous refaites son effet, vous le remettez sur le terrain, enfin, vous remettez sur le terrain. C'est trop fort. Prédaplante pendant qu'elle est encore disponible, utilisez-la. Ouais, vous connaissez, voilà. Hein, c'est des PE gratos, c'est... et puis en plus pour un monstre héros, enfin pour un deck héros, vous connaissez, c'est une fusion gratos, 2000, enfin je dis 2000, enfin je dis gratos, mais c'est 2000 quand même, mais voilà. Et puis la petite dernière, le décimeur de terreur qui est très important aussi. C'est pas la carte la plus indispensable, mais elle peut faire très très mal. Hein. N'oubliez pas que le deck héros veut faire mal. Le mec, imaginez, il a Marshmallow, il a un deck à 2 francs qui vous empêche de jouer. Enfin, je dis à 2 francs, vous m'avez compris. Un truc qui vous empêche de jouer. Ah ben, vous grattez des dégâts parce que vous pouvez faire l'effet de. Comment dire de dégâts perçants avec lui. Donc en fait, le mec, vous faites gagner 100 d'attaque pour chaque monstre héros dans le cimetière, de noms différents dans le cimetière. Pour les cartes qui pointent, hein. Donc c'est très fort. Donc, vous avez 3 monstres plus lui qui monte, plus Sunrise, plus des peu qui diminuent l'attaque et la défense. Bref, avec lui, vous mettez ça, vous avez le compte. Hein. Moi je vous dis, souvent je fais des 10 000 de dégâts plus en un tour. Quoi. Ah ouais, non, mais c'est clair, lui, quand il sort, il peut tuer la game. Donc du coup, il y a aussi la version avec super polymérisation. Qui est très forte parce que du coup si vous faites avec super poly vous avez la possibilité du coup de fusionner un monstre à l'adversaire et un monstre héros à vous, donc ça peut être très fort si jamais le mec en face bah il veut faire son malin, ouais, malveillant veut... voilà fléau malveillant, ah oui mais bien. oui je suis bête, oui vous avez aussi fléau malveillant qui est très très fort, bah voilà, bah là c'était la troisième version la plus forte, hein, fléau malveillant, du coup vous êtes obligé de jouer hors aduste et oui effectivement oui fléau malveillant qui est très fort en fait. Vous pouvez le jouer avec Darklaw, c'est très pété. Il peut détruire quand c'est votre tour. Hein. Imaginez, vous l'invoquez, vous activez l'effet. Il détruit tous les monstres qui ont 3000 ou moins sur le terrain de l'adversaire. C'est super, super fort. Et puis, il peut pas être détruit par des effets ni au combat. Ni au combat, ouais, c'est ça. Donc, en fait, vous êtes obligé de le retirer du jeu ou de l'envoyer à la main, par exemple. Donc, vous faites gouttelette sur lui aussi. Gouttelette, voilà. Gouttelette, ça peut être chiant contre lui. Donc, il a plus d'effet, vous l'attaquez. Voilà. Mais c'est très fort. Il faut avoir un gouttelet, quoi. Donc voilà, bah oui, je sais pas pourquoi j'ai bugué, mais bien sûr, malveillant. Ah oui. C'est le dernier gros qui restait, tu vois. Ouais, c'est le dernier gros qui reste, qui est fort. Donc voilà, vous avez des versions différentes, mais voilà, moi je vous ai montré. Ah, il y en a plein des héros, de toute façon, c'est l'archétype le plus fourni de toute l'histoire de Yu-Gi-Oh! et de loin. Donc voilà, il y a plein de versions, hein, c'est sûr. On peut pas tout montrer. Hein, là, héros, pour le coup, c'est vraiment le deck, on peut pas tout montrer. C'est sûr, voilà, c'est ça. Mais vous avez en tout cas. Mais vous avez vu les trucs les plus courants, les combos qu'il a fait, c'est les trucs les plus courants avec les fusions qu'on voit tout le temps, les deux liens qu'on voit souvent avec des PE bien sûr, mais là c'est légit vu que c'est un deck héros et puis ouais voilà tout simplement quoi, donc voilà, deck héros pas si représenté que ça je trouve, que ce soit en tournoi ou en ladder je le croise quasiment jamais. C'est vrai qu'il est très cher, oh putain, il est cher, je vous avoue j'ai pris 2 semaines et demie pour le faire alors, je pense qu'on le voyait avant là, tout ce qui était UR ou pas, attends je vais reprendre une decklist là, ah, ça pique, hein. Que UR Paris c'est UR x3, il y a Floraison UR, donc si vous la jouez Ironman UR, il y a le UR. Valiant qui est UR, t'as Line Trap et Plasma qui sont UR. Paris, UR obligé. Héros vivant x3 UR. Et l'extra deck, toutes les fusions qui sont jouées sont UR. Il y a juste celles qui sont moins jouées parce que c'est d'autres attributs qui sont SR, mais c'est giga cher. Ah, c'est super cher. J'ai pris beaucoup de temps, mais je ne regrette pas. Et comme tu disais, hein, il est pas. En leader et tout, enfin il est pas forcément si joué que ça, mais je suis arrivé du coup diamant 2 avec.
Ah oui, non, tu fais diamant sans problème, hein, ça donc, c'est oh, sûr. Donc, c'est franchement tranquille, quoi. J'ai pas. C'est très très fort. Tu displays pas et tout, tu roules sur je les. Crois y avait, je crois qu'il y avait juste Héros Vivant qui était limité ou semi-limité dans le TCG, mais je crois qu'il est aussi revenu à 3 récemment. C'est ça. J'avais même fait une version One Limit hein, pendant le festival qui ah, oui, était oui, sympathique. Oui, la version, hein, ouais, ça, ça tournait aussi. Il y a tellement de cartes héros de toute façon, tu peux faire plein de versions, ça tournera toujours. C'est ça, voilà. Et ce qui est bien en fait hein, dans le festival One Limit, c'était que. Bah, tu vois, t'amuser avec plusieurs plays, tu vois, tu faisais avec le play que t'avais, tu dis, oh, bah tiens, je peux faire ça, je fais ça, je fais ça. Tellement il y a des trucs à faire, quoi. C'est... Ah, oh, bah, voilà. Bah voilà, quoi, c'est. Si vous avez le budget, allez-y. C'est un bon deck, sinon, bon, c'est peut-être pas le meilleur plan, mais bon, comme dit, on va présenter plein de decks sur cette chaîne. Peut-être aussi, je ferai me concentrer sur des decks budget, parce qu'il y en a quelques-uns aussi, même à l'échelle de Master Duel. Je pense à Trou Draco, par exemple, qui est fort et qui est budget, il n'y a quasiment pas d'UR. Mais voilà, là, vous avez peut-être le deck le plus cher qu'on a jamais présenté. J'ai pas en tête des trucs qui sont plus chers que Héros, c'est comme ça. Plus pour un deck iconique de l'animé que tout le monde connaît, c'est ouais. Pas mal de gens étaient un peu déçus ou surpris que ce soit aussi cher, mais bon, après, c'est fort, hein, au bout d'un moment. C'est comme ça, quoi. Et bah du coup voilà hein, ça conclut cette vidéo hein. C'était très sympa. On a fait un peu différemment bah forcément moi je joue pas tous les decks hein, j'ai pas budget illimité donc quand je veux montrer un deck que je ne joue pas j'appelle quelqu'un qui le joue et en l'occurrence Magine joue héros depuis le début je crois hein, c'est le premier deck que t'as fait. Yes, le premier gros deck ouais. Au début, je jouais Bed Gladiator, Trigger. Donc voilà, tout simplement inviter ceux qui connaissent leur deck et qui les jouent pour voir autre chose. Ça, du coup, ça ferait qu'il y aura pas mal de gens qui passeront sur la chaîne parce que bah, tout le monde a son deck de cœur, etc. Yu-Gi-Oh! A tellement de cartes et de decks différents que va y avoir du monde qui passera sur cette chaîne. Des gens qui reviendront aussi avec d'autres decks parce que bon, je sais que tu as un autre deck un peu spécial aussi. Pourquoi pas éventuellement le présenter ouais, j'avoue, un deck que je maîtriserai plus, ça, le deck virus en ce moment. Le fameux, ça peut être yes. Intéressant. Donc, et puis avec l'évolution du jeu, de toute façon, tu feras forcément encore d'autres decks éventuellement. Bah, avec plaisir, hein, plaisir, mon gars. Et puis, GG à tous. Donc, dites-nous ce que vous avez pensé de ce format un peu différent, voilà, vu qu'on a été à deux, etc. Je pense que c'est un peu plus long que d'habitude, mais c'est très bien aussi pour montrer. De toute façon, il faut se prendre le temps d'expliquer les choses via le système de replay excellent du jeu. Et donc, on se retrouvera assez vite pour un autre deck. De toute façon, avec ce qui arrive très prochainement dans le jeu, moi, je ferai très rapidement des vidéos sur les decks qui arrivent, puisque je vais les jouer, vu que je les prévois depuis le début du jeu. Et puis, d'autres vidéos sur d'autres sujets. Avec d'autres personnes, encore une fois. En vrai, je serais rarement tout seul pour des vidéos, mine de rien. Je me dis, je serais pas si souvent que ça tout seul. Mais c'est bien d'être accompagné. Merci encore, Magine, du coup, pour avoir montré le deck héros. Si ce n'en serait pas été possible. Et puis, du coup, on se dit à la prochaine, les gens. Yes, à la prochaine. Ciao. Peace.